Aujourd'hui, dans Éléments d'un roman, nous allons nous pencher sur une œuvre majeure de la littérature algérienne, La Grande Maison de Mohamed Dib. Paru en 1952, ce livre constitue un premier volet d'une trilogie appelée Algérie, avec l'incendie et le métier à tisser. Alors, qu'est-ce qui fait de ce roman une œuvre si importante? Qu'est-ce qui a poussé Mohamed Dib à écrire son roman? Et quel est l'enseignement qu'on peut tirer suite à sa lecture aujourd'hui? Pour cela, nous allons nous plonger dans ce roman pour en décortiquer ses éléments constituants. Le milieu dans lequel le roman prend son origine, le style qui s'épanche, la fiction qui sollicite l'imaginaire et le message qui se dégage d'entre les lignes.